Alors, je vous présente la toile Paix. C'est la toile que j'ai commencée un matin très, très tôt, que je suis sortie à l'extérieur à 8 heures du matin pour voir ces dessins que la nature avait dessinés avec grâce, avec finesse sur mon lac. Et le seul mot qui me vient à l'esprit pour cette toile, c'est la paix. J'ai cherché sur Wikipédia la définition de la paix. Je vous la cite à l'instant. Alors, la paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. Elle correspond aussi à un idéal social et politique. Cette toile représente bien ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, et je suis certain que c'est la même chose que vous. Alors voici les moines qui s'accompagnent. Certains voient le couple, d'autres voient les meilleurs amis du monde, d'autres voient le soutien, le réconfort. Un tient le bâton de la sagesse et l'autre le bol de l'abondance, le bol tibétain. Les deux, le vent dans la robe, symbole de paix et de liberté. Ces arbres de cristal que l'on voit souvent dans la nature avec les pluies verglaçantes donnent toujours des effets magiques. Et vous avez la ligne du temps. Rouge, qui est un symbole très important pour moi, parce que je suis patient pour certaines choses et impatient pour d'autres choses. Alors cette fois, ça représente, oui, mon impatience de retrouver une belle liberté. Je me suis habillée comme la toile. Je voulais pas que ça ressorte trop. Je voulais pas trop prendre de place. En tout cas. Alors je vous reviens maintenant avec cette folie. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de paix à l'intérieur de moi. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé un matin. Avant de sortir de mon lit, j'ai entendu le mot « accueil ». Et tout de suite, je me suis dit « Oh, c'est quand même puissant, ça. » Oui, si je veux retrouver et amplifier cette paix, tout doit passer par l'accueil. Alors, ça se passe souvent comme ça pour moi le matin. Je reçois un mot et c'est le départ de ma journée pour mes créations. Oui, accueillir, ça ne veut pas dire de baisser les bras, mais ça veut dire d'être dans notre lumière, de se lever debout, d'avoir confiance, d'aider les autres, de soutenir les autres, etc. Et tout doit d'abord commencer par l'accueil pour arriver à cette paix. Je suis très heureux de vous avoir présenté cette toile très pure, minimaliste, blanche, avec une sérénité. Ouais, c'est ça. Alors, elle se retrouve maintenant à la Galerie d'Art Beauchamp et son format mesure 40 par 60. Alors, je vous donne rendez-vous lundi prochain avec une autre technique amusante juste avant Noël. Je vous embrasse et